Est-ce que vous pourriez regarder vos enfants dans 10 ans et leur dire « Désolé, je savais, mais j'ai rien fait ». Vous avez des enfants, vous allez avoir des enfants ou est-ce que vous faites... C'est pas le sujet. Est-ce que vous pourriez regarder quelqu'un dans... Attendez, vous m'interpellez sur ma vie personnelle, je vais le faire également. Okay. Sacha, avez-vous des enfants? Non, j'ai 22 ans. Non, et aurez-vous envie... Vous pourriez avoir des enfants. Aurez-vous envie d'avoir des enfants ou est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment même qu'il faudrait ne plus avoir d'enfants pour la protection de la planète? Ça n'a rien à voir. Je vous pose la question, vous pouvez me répondre. Oui, mais quelle est votre position sur cette question-là? Ma position, c'est que dans 10 ans, il va y avoir 1 milliard de personnes sur les routes. C'est ça qui va se passer. C'est que dans 30 à 50 ans, le sud de l'Europe, l'Amérique centrale, l'Australie, l'Inde au Pakistan, plus personne pourra vivre là-bas et ils vont bouger. Et ils vont aller où? Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous pensez que j'ai envie d'avoir un enfant dans ce monde-là? Donc vous avez répondu à ma question. Est-ce que vous pensez que moi, j'ai envie de vivre dans un monde dans lequel 2 milliards de personnes vont devoir partir dans 30 à 50 ans de chez eux? Ça va être le pire épisode de souffrance et d'injustice dans le monde. Enfin, c'est réellement... Donc vous préférez renoncer à une... C'est une manière de réponse à l'humanité, c'est d'y renoncer... Renoncer à avoir des enfants, ça veut pas dire que je renonce à l'humanité. Je suis en train de me battre aujourd'hui pour sauver ceux que j'aime. C'est ça, avoir de l'humanité.